Bonjour, je me présente, je suis Marwa Khadji, doctorante chercheuse à l'équipe de recherche en ingénierie des systèmes d'information à l'université Abdelmalek Saadi. Je vous présente ma contribution à cette conférence. C'est l'intitulé de ma contribution, c'est Towards a Smart Collaborative Learning Management System through Integrated Social Computing System. En français, c'est vers un système intelligent de gestion de l'apprentissage collaboratif grâce à un système informatique social intégré. Ma contribution sera en français, mais je vais utiliser des mots techniques en anglais, comme les systèmes de gestion de l'apprentissage, ce sont les Learning Management System et Computing System. Social Computing Systems sont des systèmes informatiques sociaux intégrés. Notre plan comme suivant, il y a une introduction, après on va présenter les systèmes de gestion d'apprentissage, Learning Management System, après on va présenter les tendances du système de gestion d'apprentissage et les réseaux sociaux et Social Computing. Et on va présenter notre proposition sur l'intégration du système de gestion d'apprentissage et Social Computing System. Enfin, on a une conclusion. La technologie de l'éducation intelligente est un sujet de recherche prioritaire pour les chercheurs, les experts technologiques et les développeurs de systèmes éducatifs depuis le développement des technologies de l'information et de la communication. De nombreuses études ont examiné le rôle important de la mise en œuvre d'un environnement d'apprentissage social intelligent pour les systèmes de gestion de l'apprentissage. L'objectif de l'étude dans cette contribution est de présenter les systèmes de la gestion d'apprentissage et les tendances actuelles et de mettre en lumière les applications de l'environnement d'apprentissage social. Les objectifs spécifiques peuvent être résumés dans rendre les systèmes d'apprentissage intelligents en intégrant des systèmes de gestion d'apprentissage et des sites de réseaux sociaux intelligents via l'informatique sociale ou bien social computing en anglais. Maintenant, on passe à une présentation sur les systèmes de gestion de l'apprentissage, ou bien Learning Management System. Stone et Hall décrivent un LMS comme un système d'information centralisé basé sur le web qui gère le matériel d'apprentissage et organise les activités d'apprentissage. Learning Management System est un terme plus général pour un système de technologie qui rend en charge toutes les phases des processus d'apprentissage formel et informel, y compris la gestion de l'apprentissage, la gestion de contenu, la gestion des cours, etc. Cela consolide une gamme de fonctionnalités sur une seule plateforme, y compris la correspondance personnelle, soit les mails, messages instantanés, l'interaction de groupe, comme les chats, forums, etc. Le partage de contenu sont des programmes, les articles, les présentations, les résumés des cours et l'évaluation des performances, soit les référentiels de questions, des réponses, l'évaluation d'auto-évaluation, les devoirs, les questionnaires et les examens. Et enfin, la gestion des instructions, comme l'affichage des messages et les notes, les sondages, les heures du bureau, etc. en ligne. Maintenant, on passe à définir c'est quoi les systèmes de gestion d'apprentissage intelligents ou bien les Smart Learning Management Systems. La diffusion des technologies intelligentes a provoqué la naissance du nouveau terme qui est système d'apprentissage intelligent. Ces dernières années, le débat est toujours ouvert, mais le mot intelligent est désormais compris non seulement comme la capacité à fournir des parcours adaptifs et personnalisés, mais aussi comme l'utilisation intégrée de la technologie intelligente et de la pédagogie intelligente. En d'autres termes, les Smart Learning Management Systems sont non seulement capables de fournir le service le plus approprié, mais peuvent combiner différentes approches pédagogiques.
comme l'apprentissage omniprésent, l'apprentissage positionné, l'apprentissage social, l'apprentissage par le jeu ou bien les gamifications, avec les méthodes techniques les plus récentes utilisées dans le passé. Les systèmes comme les systèmes de recommandation ou bien le cadre de recommandation, les systèmes multi-agents, etc. pour rendre l'apprentissage plus efficace. Parmi les tendances de systèmes de gestion d'apprentissage intelligents ou bien Smart Learning Management, on trouve il y a le Social Learning Environment, c'est les social networks, forums, les discussions, etc. Il y a Cloud-based LMS, SAS, il y a Adaptive Learning Systems, il y a la gamification with LMS et Mobile LMS, ou bien le Learning Management System Mobile. On passe maintenant à présenter les communications, les collaborations et les interactions dans les Learning Management Systems et les réseaux sociaux, ou bien la différence entre les communications, la collaboration et les interactions entre Learning Management Systems et les réseaux sociaux. Cette figure-là représente les interactions et la collaboration dans le Learning Management System et les sites de réseaux sociaux et qui sont différentes et bien des égards. Tout d'abord, la variété et la durée des interactions et de la collaboration dans le Learning Management System sont limitées à un cours, mais il n'y a aucune restriction à la portée aux interactions et à la collaboration dans les réseaux sociaux. Deuxièmement, les interactions et les communications dans le Learning Management System sont orientées vers le groupe et dans les réseaux sociaux, il y a un mélange orienté vers l'individu et orienté vers le groupe en même temps. De plus, le type d'interaction et de collaboration est relativement simple. Donc, une grande partie est basée sur du texte et des images, des vidéos, etc. Tandis que la forme d'interaction et de collaboration sur les plateformes de réseaux sociaux est très riche, y compris l'audio, les vidéos, etc. Enfin, les utilisateurs peuvent créer leurs réseaux sociaux ou bien leurs réseaux sociaux personnalisé et le réseau de connaissances pendant le processus d'utilisation des sites de réseaux sociaux, ce qui est impossible à un système de learning ou bien à un learning management system ou bien à un système de gestion d'apprentissage. Là, on va présenter ou bien définir le social computing. C'est quoi un social computing? Pour proposer notre solution après. Social computing, ou bien en français l'informatique sociale, fait référence aux systèmes qui prennent en charge la collecte, la représentation, le traitement, l'utilisation et la diffusion d'informations qui sont distribuées à travers les collectivités sociales, telles que les équipes, les communautés, les organisations et les réseaux sociaux. De plus, les informations ne sont pas anonymes, mais sont significativement précises parce qu'elles sont liées à des personnes qui sont à leur tour liées à d'autres personnes. Donc, on présente cette figure. Non. La figure suivante représente le framework proposé. Cette computing framework combine non seulement les fonctionnalités de Learning Management System et les réseaux sociaux avec Social Computing System et le Learning Management intégré, mais fournit également un espace indépendant pour chaque utilisateur. L'endroit où les utilisateurs peuvent interagir et travailler avec les autres est un espace personnel. Dans l'espace personnel de chaque individu, il y a trois couches de connaissances et trois types de réseaux. Comme dans Learning Management System, les utilisateurs peuvent également rejoindre l'environnement d'apprentissage de Social Computing Network, des communautés sociales, se connecter et communiquer dans leur classe. En fait, les utilisateurs peuvent lire différents types d'informations dans leur propre environnement, à partir de leurs groupes, communautés, ainsi que les sites de réseaux sociaux. Les données sont transmises aux utilisateurs via le filtrage de leur réseau social et de leur réseau de renseignement ou bien d'apprentissage par l'utilisation des techniques de social computing. La caractéristique clé du système intégré proposé est les relations et les connexions entre le réseau d'utilisateurs et son réseau social.
comme le montre la partie en pointillé de notre figure. Lorsque les utilisateurs suivent le cours, ils sont fréquemment en contact avec d'autres utilisateurs qui poursuivent le même chemin. En outre, les relations personnelles à vie peuvent également être établies avec tous les membres. Enfin, en conclure par nous proposons un système de gestion de l'apprentissage intelligent, interactif et collaboratif, qui combine les avantages du Learning Management System et de l'informatique sociale ou bien social computing, avec l'intégration de Learning Management System. Le système connecte le réseau de cours utilisateurs à son réseau social et à un social computing environment. En conséquence, la construction d'un réseau social personnalisé et d'un réseau d'intelligence pendant le processus d'apprentissage est bénéfique pour les utilisateurs pour échanger des idées qui aident à penser de manière créative, l'accessibilité du matériel éducatif, encourager les étudiants à participer, améliorant l'interaction des étudiants et proposer des recommandations ou bien des suggestions. Le projet accroît l'interaction des étudiants entre eux, s'aide mutuellement à comprendre le contenu du matériel qu'ils étudient et partage le contenu éducatif approprié pour les étudiants. Et merci pour votre participation. J'ai fini ma contribution, espérant d'être à la hauteur. Alors.